Alors, les 8 actus F1 du 22 juin. La FIA veut sévir après un incident impliquant Neymar sur la grille de départ au Grand Prix d'Espagne. Il était sur l'herbe au moment où les voitures ont entamé le tour de chauffe. Bon, c'est pas un gros incident, mais bon. Effectivement, il faudrait les tenir un peu plus ces VIP là, qui font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Les rumeurs folles du Grand Prix du Canada, Leclerc chez Aston Martin, Binotto chez McLaren, Norris chez Audi. Ah non, pas Binotto chez McLaren, s'il vous plaît. Ils ont pas besoin de ça, ça les achèverait là. Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite le samedi soir 2024, à cause du Ramadan, a priori. Bon, pas sûr non plus, à vérifier. Hamilton sur son dépassement d'Alonso au départ du Canada. Il devient vieux, Fernando. C'est pour ça que je l'ai eu. Malgré sa saison catastrophique en F2, Safnauer pense que Doohan peut arriver en F1. Russell est satisfait des performances de Mercedes au Canada. On est sur la bonne voie selon lui. Encore faut-il finir les courses, Georges. Vasseur, un ingénieur talentueux, va rejoindre Ferrari en 2025. Eh bien, il va falloir être patient. Tom Bazzi, ne vous inquiétez pas, l'avance de Red Bull va rapidement diminuer au fur et à mesure des courses. Ça reste à vérifier aussi. À demain.